Pascal Affine descend à 6000 km du congrès du nouveau parti de ses ex-camarades. Pascal Affine Guessant séjourne en Europe depuis maintenant 72 heures. Il est selon lui dans le cadre des activités de l'Association internationale des régions francophones AIRF qui s'éteindront du 10 au 25 octobre prochain à Lyon puis à Lille. Le président du Front populaire ivoirien en a donc pour au moins 15 jours dans l'Hexagone au pays d'Emmanuel Macron. Il est évident qu'à 6000 km du palais de congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, l'ancien premier ministre de Laurent Gbagbo ne sera pas témoin de la naissance du nouveau parti de ses ex-compagnons de lutte, dont l'ouverture des travaux est prévue les 16 et 17 octobre prochains. L'histoire ne retiendra donc pas que Pascal Affine Guessant était présent sur le territoire ivoirien au moment où Laurent Gbagbo portait sur les fonts baptismaux son nouvel instrument de lutte politique. Il en est de même pour le chef de l'État Alassane Ouattara, qui est également en visite privée en France. Il n'empêche que le congrès aura bel et bien lieu aux dates indiquées par le professeur Sébastien Danongégué, président du dit congrès. Les réunions au siège provisoire du nouveau parti se sont intensifiées depuis le lundi 11 octobre. On a même assisté à l'arrivée des tout premiers congressistes venus de France et de la Belgique. En tout cas, les préparatifs du congrès constitutif vont bon train.